Est-ce que vous avez des questions par rapport à la première communication? Peut-être que je vais enchaîner sur toutes les communications. Il nous est enfin plutôt, il m'est difficile d'apporter des critiques scientifiques sur ces excellentes communications, mais il y a une mise au point. Déjà, Monsieur le Président de la séance, pour vous dire que je remercie l'association de praticiens de CHLEF, contrairement à ce que vous avez annoncé. Pourquoi? Parce qu'elle est à son 25e anniversaire, à son 10e congrès, et elle a toujours introduit la formation, surtout en médecine dentaire, dans ses congrès. Contrairement au Conseil de l'Ordre, qui est là, il y a de cela presque 40 ans, et à ce jour, on n'a pas vu de formation en médecine dentaire à CHLEF, du moins à la wilaya de CHLEF, une wilaya du Nord. Deuxièmement, concernant le combine, la deuxième communication, tellement la communication elle était complète et d'un haut rang scientifique, je peux juste dire que au professeur Sahbi que l'avocat il s'est trompé de client, parce que quand on parle actuellement, on est quand on parle par exemple de la radiographie standard, quand on parle d'un téléthorax, je pense que les irradiations sont nettement supérieures à un combine qui est là et qui a minimisé les irradiations d'une façon générale. Donc il se trompe de client. Il va chercher ailleurs, il y a des milliers de téléthorax ou de radiographes standards sur tout le corps, et il va chercher ailleurs. Si je peux enchaîner toujours, parce que je dois partir, dans le même la communication qui est venue par la suite, pour vous dire que elle nous a vraiment, Tobeba nous a, ou là je reste là, je suis encore là. Et je vous remercie. Merci. C'est une question, remarque seulement. Remarque concernant le... Devant ces excellentes communications, il n'y avait rien à gratter. Très bien. Si vous permettez, M. Sahbi, je voulais ajouter quelque chose concernant cette communication. C'est très bien, le combim, c'est le progrès, c'est la technologie, c'est. Mais comme étant, parce que je me présente, professeur Zouk, je suis professeur en odontologie conservatrice, mais comme par hasard, j'ai fait ma thèse sur les rayons X en odontologie. Ça veut dire que je suis expert en radioprotection dentaire. Et là, je dis, je rejoins votre idée dans le sens logique. Mais la logique, elle ne tient pas la route avec les sciences expérimentales. Pourquoi? Parce que je m'explique, parce qu'il y a un problème dans le sens législation. Parce que la législation, il y a en médecine de travail, il y a les professionnels qui ne dépassent pas, qui ne doivent pas dépasser 6 millisieverts par an. Sinon, il passe à l'indemnisation. Et le patient en Algérie, en international, il ne doit pas dépasser 1 millisievert par an. 1 millisievert, ça veut dire pas plus de combine par an. Parce qu'ils ont fait les études dans ce sens. Sachant que vous avez parlé de téléthorax, à un moment, téléthorax, il n'y a pas de... Par exemple, là, je prends le téléthorax parce que vous avez cité ça. Téléthorax, il n'y a pas d'organe sensible dans le poumon. Mais par contre, le volet orofacial, il y a surtout, au départ, c'était la thyroïde, mais maintenant, c'est le cristallin. Le cristallin, c'est le tissu le plus radiosensible dans le corps. Donc, on peut développer facilement les cataractes suite à quelques séances de combien. Donc, j'ai fait l'année passée avec mes étudiants de 6e année une étude dosimétrique dans ce sens où les étudiants ont essayé de conclure par dire qu'il ne faut pas dépasser 2 combines par malade par an, il ne faut pas dépasser 4 panoramiques par an, et il ne faut pas, pour le professionnel, hein, ce n'est pas pour le malade, il ne faut pas dépasser 250 rétro-alvéolaires par an, et pour le professionnel, il ne faut pas dépasser 8 clichés jour. Ça, c'est la finalité. Ça veut dire qu'ils ont essayé de... Oui. Voilà. Merci. Je voulais juste rajouter quelque chose.
donc il vient de dire quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire le cristallin et la théroïde. C'est que le praticien, quand il demande un combine, il ne dit même pas à son patient, fais attention, quand tu vas faire ton combine, demande au technicien ou là où tu vas le faire, de porter des lunettes de protection ou bien de mettre un protège-théroïde. Moi, je vais aller plus loin. J'ai visité des cabinets et j'ai trouvé des combines dans des cuisines qui n'étaient pas plombées. J'ai trouvé des combines dans des salles d'eau. Je vais aller encore plus loin. Je racontais à ma collègue, j'étais dans un hôpital. Il y avait un combine dans une salle qui n'était pas plombée. Mur nettoyé avec la restauration de l'hôpital. Donc vous imaginez les dégâts que ça peut occasionner. Voilà. Je vous remercie. Mais je pense qu'en matière de réglementation, oui, on ne peut installer un combine dans un endroit inapproprié, vu que l'installation de l'appareil radiologique d'une manière générale doit passer par la conformité du combine. Très bien. Donc, chose qui est de rigueur actuellement. Voilà. Autrement dit, parce que Jaafar et M. Bedrouni sont là, ils représentent l'association, en plus, sont des membres actifs dans le Conseil de l'Ordre des médecins dentistes de la région de Chleuf. Ça veut dire que c'est une faute médicale. Si on expose le patient plus que la dose tolérable par la réglementation algérienne, c'est une amende très grave. Hein. Ça veut dire qu'on peut passer le civil pénal. D'accord ? Donc, vous faites attention. Surtout, 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 j'insiste sur un problème qui est courant, c'est d'exposer l'assistante dentaire au rayon. Parce que souvent, on donne à l'assistante de faire n'importe quel acte radiologique et là, c'est là, le bas blesse. D'accord. À savoir aussi, à titre de rappel, chers confrères, c'est que l'année passée, professeur Lezouk nous a fait une très belle communication concernant la radioprotection, qu'apparemment vous avez raté. Merci. Merci. Donc là, si vous permettez, si vous avez d'autres questions, bah, professeur Sabi, si on en parle, on passe à la deuxième communication avec Dr Dalal. Cetré, oui, qui nous a parlé de numérique. Numérique. Vu que tu as fait une belle communication, je pense que tout le monde a compris apparemment, y compris Dr Zerabib. Ah oui. Le transfert technologique, comment il se fait? Aujourd'hui, on arrive à prendre des empreintes aussi fidèles, aussi, on va dire, précises à travers ce numérique. Mais franchement, c'est... Qui pouvait imaginer il y a quelques années qu'on pouvait arriver à cette situation? Est-ce qu'on fera la même chose? Est-ce qu'on peut faire la même chose dans le cas où nous avons, par exemple, dans le cas de la piézographie? Est-ce qu'on peut le faire? Je pense que c'est pas une. Je ne sais pas si. Si, il n'y a pas de souci, je pourrais donc répondre à cette question. C'est vrai, à présent, le numérique envahit nos réhabilitations. Concernant la piézographie est une technique qui est analogique, c'est-à-dire on est obligé d'enregistrer un couloir prothétique par le biais donc d'un matériau qui est un silicone à haute viscosité par condensation, qui est réticule par condensation, ensuite transférer tout ça vers le numérique, c'est-à-dire on est obligé de passer de l'analogique vers le numérique, sinon directement en numérique non, c'est délicat, surtout la prise d'empreinte optique pour un édenté total. Il y a des limites. Même si à présent les systèmes défendent ça, ils défendent leur empreinte optique, mais vraiment ça se dédouble. L'empreinte optique, elle capte des ondes, oui, elle enregistre des informations qu'elle arrive donc à capter. La muqueuse ou la fibromuqueuse, elle est toute rose. On n'a pas donc une différence. À ce moment-là, elle dédouble. Il propose même des astuces, c'est de mettre une digue liquide au niveau du fond du vestibule. Elle va donc permettre à guider le cheminement donc du balayage ou bien de l'empreinte optique. Mais sinon, on est toujours en hybride, c'est-à-dire de l'analogique vers le numérique
et réaliser la prothèse par la suite en numérique. Voilà. Merci. C'est ça absolument, c'est-à-dire c'est ce que je viens de... par rapport à, au dédoublement des empreintes. Donc j'ai une question par rapport à Dr Sotri. Donc je te remercie pour la conférence qui était très intéressante. Et dans le prolongement du raisonnement du Dr Zerabib, c'est pratiquement la même chose. Je voudrais savoir quelles sont les limites de l'empreinte, enfin du numérique, de l'apport du numérique dans la réalisation des prothèses totales. Alors, comme je l'ai bien expliqué tout à l'heure concernant le numérique, il est défini, la chaîne numérique est définie par trois points essentiels. Là où on trouve un peu de blocage, c'est lors de l'acquisition des données dentaires, c'est-à-dire là où on est obligé d'utiliser l'empreinte optique. Mis à part ça, il n'y a pas de limite concernant le numérique. Du moment où j'ai un modèle sur lequel donc je travaille virtuel, c'est bon, je peux donc enchaîner mon travail et le finir en numérique. Les limites se pose avec l'empreinte optique et surtout chez l'édenté total. Pour un édentement unitaire, c'est très facile donc, d'enregistrer une empreinte optique, d'avoir le fichier STL. Quand on est face à un édenté total, c'est un vrai challenge. Pourquoi ? Parce que, comme je viens de le dire, la fibromuqueuse n'a pas de détails, n'a pas de relief, tout est lisse. Donc à un certain moment, ça se dédouble. Le logiciel n'arrive pas à reconnaître les détails pour les enregistrer. Et on aura une fibromuqueuse dédoublée. C'est ça les limites. Mis à part ça, il n'y a aucune limite concernant le numérique. Donc, pour conclure, quand on a un patient qui est denté total, il serait préférable d'avoir recours à l'empreinte physique. L'idéal, c'est de faire le travail hybride. Commencer par une empreinte physico-chimique, avoir un modèle physique, le scanner via l'empreinte optique ou via un scanner laboratoire, transférer ce fichier STL sur les logiciels, et continuez votre flux numérique jusqu'à la production. Donc voilà. J'espère être clair. Le monsieur, il voulait poser tout à l'heure une question. Monsieur, vous voulez... Ah, merci. D'accord, merci. Si vous voulez, on enchaîne avec les autres communications. Vous avez quelque chose à dire ? Oui. C'est la précision. Ouais. On a énormément de problèmes là-dessus. On appréhende beaucoup des cas comme ça de résorption. Ça qui m'avait interpellé. Et si j'avais la possibilité de régler ce problème par le biais de... Oui, franchement. Quand même, ça me réduit la difficulté. Oui, ça réduit la difficulté. Voilà. C'est pour ça qu'on a choisi pour les dentées totales. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous voir vos conférences, docteur. Très, très bien animé avec Sarah. Merci. Moi, j'ai rien dit. Monsieur Jaffar, concernant le numérique, j'ai une remarque. C'est à nous, au niveau du Conseil de l'Ordre, de tirer la sonnette d'alarme concernant l'archivage numérique. Ça veut dire là, on tombe dans le dossier médical. Médical, numérique, ça veut dire qu'on doit le faire dans le code de déontologie pour le... Parce que là, l'avocat, il ne connaît pas tout ce qui est numérique. Tu ne peux pas lui donner un... crédible. Ça veut dire parce que eux, ils parlent de dossier médical à archiver et tout ça. Et maintenant, on parle de cette notion zéro papier. Donc, il faut aller vers autre chose. Le gros souci ici en Algérie, on manque de réglementation parce qu'actuellement, bon, tout ce qui est ordre, on n'a qu'un seul décret qui lige l'ordre des dentistes. Mis à part ça, donc, on est aussi soumis à tout ce qui est instruction ministérielle. Oui. Mais vraiment, on est à court de réglementation. La réglementation en médecine dentaire, elle est vraiment trop limitée. D'accord. Bien que on la modification de la loi sanitaire 2018, on va trouver une solution, Charles. Merci. On passe à la troisième. Je sollicite professeur Sakli Hidoussi et professeur Boudela. Donc,
on passe à la troisième intervention de professeur Boudella. Concernant le traitement esthétique, dévoilons nos limites en maîtrisant les techniques. S'il y a des questions. Des questions. Pardon. C'est vrai que vous nous avez fait un voyage, soi-disant nostalgique, en médecine dentaire. Voilà. Mais, mais là, en Algérie, je pense que quand on parle réalité, on n'est pas encore arrivé à l'actuel, yani, avec le développement sur le numérique et tout. Pour avoir, par exemple, un combim à Tchelfa, ce n'est pas pour demain. Donc, il faut mieux adopter, justement, ces attitudes anciennes. Maintenant, pour parler réalité du terrain. Réalité du terrain. Moi, j'étais dans le dentaire. Je fais partie d'une génération, les plus neufs dentaires, et on s'est reconverti en maxillofacial. Je suis un Iqdim Chouya, et ex-Mkoli. Si je me défoile les termes, on a oublié les termes odontologiques et les termes de... Mais on souffre beaucoup, dans le même ordre, on souffre beaucoup de ce mot-clé en chirurgie dentaire qui est l'occlusion. Je parle de l'implantologie, parce que apparemment, l'implantologie, c'est aussi la prothèse implanto-portée. Et ce mot occlusion, parce que vraiment, on souffre à la Belgique. Une désocclusion, là, en maxillofacial, on reçoit beaucoup des problèmes au niveau de l'ATM. Et la majorité des cas, c'est dû à cette désocclusion, au problème de l'occlusion. Et dans la formation en médecine dentaire, on parle beaucoup de chirurgie implantaire, implantologie, mais je match par exemple une formation des prothésistes sur la prothèse implantoportée et donc le respect de l'occlusion par exemple et ses répercussions. D'accord. Donc pour votre information docteur, j'ai fait ma thèse sur les dames. Donc j'ai pour une fois l'année dernière, j'avais parlé d'occlusion ici à Schleff. Et puis, je voulais sortir un petit peu de l'occlusion parce que là, j'ai trop intervenu et c'est mon dada, comme on dit. C'est les problèmes d'occlusion. Effectivement, je reçois énormément de patients qui me viennent. D'ailleurs, j'ai un ami à la droite, il m'envoie beaucoup de ses patients, docteur Ben Ahmed. Je reçois beaucoup de patients qui ont des problèmes articulaires où l'occlusion est en cause. Donc, c'est vrai, c'est le problème qui se pose chez tous nos praticiens. Par exemple, sur ceux qui font de l'ODF. Dès qu'ils ont l'alignement, ils font une petite analyse, et ils envoient les patients. Et je les reçois, malheureusement, dans un état vraiment lamentable. Dans les cabinets, ils ont pris l'habitude de faire une petite gouttière. Ils soulagent le patient, mais et la suite? Et la suite? Donc là, c'est très bien fait de mettre le point sur ce qui est douloureux. Il suffit d'avoir une prématurité lors des soins et vous avez un problème énorme. Donc là, c'est une occasion de tirer la sonnette d'alarme, de dire, surtout pour les nouveaux médecins dentistes, de faire très attention avant de libérer un patient. Vous faites de faire une analyse occlusale sur articulateur semi-adaptable, même si c'est très facile. C'est comme l'implantologie. On nous a fait un problème, implantologie, c'est difficile. Mais finalement, c'est une technique comme une autre. L'analyse occlusale, quand vous maîtrisez l'articulateur, de mon temps, moi je parle de mon temps étant étudiante, l'articulateur, c'était pour moi de la science-fiction. La galette, l'angle de Bennett, la pointe incisive, la pointe...
Mais après, quand on l'a simplifié, parce que là, je l'ai faite pour ma thèse, finalement, trois fois rien. Il suffit de transférer le maxillaire, transférer la mandibule dans une position et faire le jeu. C'est très, très facile. Mais ce qui manque dans notre formation pour étudiants, c'est l'application. C'est des formations théoriques, malheureusement. Alors que... les nouveaux dentistes, de faire très, très attention. Parce que là, vous créez un problème grave. Si vous intervenez avant, il vaut mieux prévenir. La prévention, et vous le savez, je n'ai pas à vous le dire, la prévention vous permet d'éviter tous les soucis et vous évitera de me les envoyer, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup, professeur. C'est toujours un plaisir d'assister à vos conférences qui sont trop pertinentes, qui contiennent des cas cliniques réels. Et ça fait vraiment plaisir. Merci. Donc, par rapport au cas clinique de la patiente qui allait se marier, là, la patiente qui avait les quatre incisifs qui sortaient. Non, mais pas le dernier, l'avant-dernier. L'avant-dernier. Oui. Donc, je voulais juste vous poser une question par rapport au décèlement des facettes. Oui. Y a-t-il une autre méthode, mise à part l'arrache-couronne? Est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, le cavitran ou bien le... Vous savez, il y a le collage, il y a le scellement. Le scellement est mécanique. Donc, on casse le ciment et vous retirez les couronnes. Par contre, le collage, il est chimique, physico-chimique. Donc, quand on colle, d'ailleurs, c'est une... quand on colle, on ne peut plus décoller. Si vous collez, vous ne pouvez plus décoller. Nous, quand la patiente était venue, elle voulait à tout prix se débarrasser. Ça lui a fait un complexe. Elle ne voulait pas entendre parler Katna de Brorasco. Là, c'était vraiment, on a improvisé. C'est pour cela que je vous ai dit, ce ne sont pas des cas qu'on a vu, qui, je vous dis, mais pour nous l'essentiel c'était d'enlever les voilà, c'était pour agir dans l'immédiat, lui la satisfaire sur le plan esthétique. Merci. Au jour d'aujourd'hui, il y a possibilité de déposer sans utiliser l'arrache couronne grâce aux ultrasons. Oui. Mais nous, au service, on a fait avec ce qu'on avait comme moyen de bord. Non, entièrement d'accord. Voilà. Entièrement d'accord. Juste pour un peu éclairer les collègues, aujourd'hui, les ultrasons... C'est possible. Voilà, les ultrasons permettent de déposer. Donc, voilà. Toujours par rapport à votre conférence, par rapport au cinquième cas clinique... Cinquième, lequel? La patiente qui a eu une rétraction catastrophique, si j'oserais dire. Enfin, celle qui a bénéficié du traitement laser. Laser, oui. Pour gingivectomie. Voilà. Moi, c'est pas une question du tout, mais c'est juste pour... parce que comme je travaille au service de pathologie de Bnimsous, donc nous recevons quotidiennement des résultats vraiment catastrophiques concernant les traitements chirurgicaux ou non chirurgicaux ablatifs. Donc c'est juste par rapport aux étudiants et futurs aux confrères, de faire très attention quand il s'agit de traitements ablatifs parce qu'ils sont irréversibles. Et leurs traitements sont très compliqués, même les greffes de tissu conjonctif ne donnent pas des résultats vraiment intéressants. Donc dès lors où vous prenez du laser ou bien une lame froide, faites très attention. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, d'ailleurs, nous, quand on fait même à... quand les résidents font la taille, par exemple, d'une couronne, jamais je ne leur demande de prendre l'empreinte à la séance. Alors, vous mettez une couche provisoire, attendez au moins une semaine qu'il y ait une maturité des tissus mous et après, vous prenez l'empreinte. Parce que là, c'est vrai qu'il y a toujours une rétraction. Si vous coupez les ligaments, on a automatiquement une rétraction. Merci.
si vous permettez juste, professeur Boudella, pour rebondir à la question concernant les facettes pour le décollement. Donc, comme c'est des facettes collées, vous pouvez utiliser le laser, mais le laser erbium. C'est-à-dire, c'est une technologie assez coûteuse pour décoller les facettes avec zéro risque, zéro douleur. Voilà, c'est une lumière et la facette va se décoller, mais ça nécessite un investissement, docteur Serrani. Et quelquefois, quand on veut que la facette tienne, le patient vient avec une facette et c'est très... en général, c'est frustrant. Bonjour, professeur. Juste par rapport, toujours à ce cas, le cas des facettes. Oui. Je voudrais justement savoir pourquoi vous avez eu recours à remettre d'autres facettes sur la patiente. Oui. Parce que là, les facettes qu'elle avait, c'était des facettes trop épaisses. D'ailleurs, j'avais une diapo que j'ai oublié de... Parce que là, je reviens d'un congrès, donc là, je n'ai pas eu le temps de revoir le cas. Bon, de revoir le cas, non, mais de rechoisir d'autres... On a mesuré l'épaisseur de la facette. La première facette, elle avait pratiquement un millimètre... d'épaisseur. Donc c'était des facettes, ça se voyait, c'était entièrement full zircone. Donc c'est pour ça que ça donnait un air très crayeux et volumineux. Et la patiente ne s'acceptait pas avec les infiltrations qu'elle a eues, donc sûrement que le scellement, le collage a été fait sans digue. Et comme vous savez que les facettes, quand vous faites le collage, la digue est impérative. Enfin, tous les traitements, je crois, vous l'avez signalé, docteur Hidoussi, tous les traitements demandent de la digue, elle est de rigueur. Alors, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que sur le plan, là, on parle d'esthétique, et lorsqu'on fait un traitement esthétique, le problème majeur, c'est de cerner la demande du patient. Lorsque le patient rentre dans un cabinet, dans un service, peu importe, il faut savoir ce que le patient attend. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, les patients ramènent aujourd'hui des smartphones, des brochures, avec des sourires de stars parfaitement alignés, des dents blanchâtres, éclatantes, etc. Mais sur la réalité, sur le plan réalité, c'est-à-dire sur l'ard al-waqa qui manque au loha, c'est tout autre chose. C'est-à-dire il y a des patients qu'on ne peut pas réaliser des facettes, c'est contre-indiqué, et là il faut leur expliquer. C'est vrai, on leur explique, mais parfois ils ne sont pas convaincus, donc ils vont aller chez un autre médecin, un autre confrère, qui peut-être il va le faire, les facettes, mais il va revenir à vous, parce qu'il va avoir un échec. Et il faut savoir aussi traiter le problème à la source, c'est-à-dire que faut, parfois, parce que nous, les médecins dentistes, ce que j'ai constaté parfois, c'est qu'on traite essentiellement les symptômes et non pas la cause. Il faut parfois réfléchir et prendre son temps à poser le réel diagnostic. Et ne voir le patient, non pas une seule dent, ou des facettes, ou des prothèses, ou des implants, mais voir le patient comme un être humain. C'est-à-dire, si vous allez faire des facettes avec un patient qui a un bruxisme, pourquoi il a un bruxisme? Normalement, on ne devrait pas avoir de bruxisme. Parce que peut-être il a un problème psychologique ailleurs. Parce que peut-être il y a une pathologie qui peut être associée à des bruxismes. Donc il faut savoir traiter la cause et être observateur. Et parfois, nous, médecins dentistes, on arrive à détecter des pathologies et on arrive même à sauver parfois des patients. Moi, j'ai eu, dernièrement, ma patiente, elle a consulté pour une cellulite en rapport avec la 13, antécédent de cancer du sein, ablation du sein, chimio, radiothérapie, plusieurs doses. Et j'ai demandé juste au moment de la cellulite un panneau. J'ai découvert une masse fortuite au niveau du sinus maxillaire. J'ai exploré encore plus, bien sûr, j'ai traité ma cellulite, mais en explorant plus, avec un CBCT, j'ai découvert les métastases osseuses. Donc on l'a adressé pour compléter la prise en charge. Certes, il ne va pas y avoir de radio ni de chimio, parce que c'est une métastase osseuse, mais quand même, on est là, on doit savoir quand même savoir parler aux médecins, parce que les médecins ne peuvent pas nous comprendre avec notre langage un tout petit peu bizarre, 21, 31, ils nous disent parfois, c'est quoi ça? Nous, on comprend les médecins, mais eux, parfois, ils ne comprennent pas. Donc, c'est à nous d'être vigilants par rapport à ce que demandent les patients et par rapport à certaines pathologies qui peuvent refléter ou carrément être un signe d'alarme concernant leur pathologie. Voilà, je voudrais juste te dire ça. Merci beaucoup. Je voudrais juste intervenir.
si mon intervention était réellement flouaire, comme on dit, c'était du terre à terre. Je voulais le but de cette communication, c'est pour qu'il s'adresse beaucoup plus aux omnipraticiens. Je ne voulais pas faire quelque chose dans le numérique, c'est vrai que c'est beau et tout, mais ce n'est pas du quotidien. Là, je suis partie du quotidien pour vous dire, pour bon, je suis dans la commission de déontologie au Conseil de l'Ordre d'Alger, donc en voyant toutes les plaintes qui nous viennent, c'est beaucoup plus l'esthétique. Les patients, comme vous avez dit, effectivement, ils se voient, ils vous ramènent des brochures, ils vous disent, voilà, moi, c'est ce que j'ai demandé. Quand vous leur montrez l'ancien, voilà comment vous étiez, vous dites, moi, si j'ai mis de l'argent, c'est pour avoir un résultat top. Donc là, c'est ma communication, c'est de vous dire de vous protéger. Par exemple, le patient, faites, ça ne vous coûte rien de prendre une clé en silicone, vous faites un petit wax-up, le mock-up, et vous voyez avec le patient, regardez comment ça va être. S'il vous dit, ok, c'est bien, je suis d'accord, s'il vous dit, non, ça ne me plaît pas, ça ne vous coûte rien. Mais protégez-vous surtout, parce que là, si vous faites le, vous mettez des résultats, vous taillez les dents, vous allez avoir, le patient ne vous le pardonne pas. Il vous dit, c'est vous le dentiste, c'est pas moi. Il vous dira, non, c'est vous le dentiste, c'est vous qui sachez. Donc, c'était surtout ça mon intervention, le but de mon intervention. Je vous remercie. Merci. Le débat a été continué pendant la pause, si vous voulez, le déjeuner. On passe maintenant, si vous voulez, la quatrième intervention de notre aimable professeur concernant l'endodontie minimalement invasif, les points clés. Bonjour. Bonjour. Je voulais juste poser une question à propos d'un cas que vous avez exposé. C'était sur une centrale où il y avait une calcification au niveau du tiers cervical. Donc, vous avez procédé par une réalisation d'un combine pour réaliser le guide chirurgical, etc. Oui. Et en deuxième temps, vous avez fait, du moment qu'il y avait un fragment de l'apex fracturé, vous avez fait une chirurgie pour le retirer et tout ça. C'était ça normalement? Pas encore. Donc la chirurgie n'a pas encore été faite. Oui. Donc on va réaliser Inch'Allah prochainement. Voilà, ça sera. Oui. D'accord. Donc ma question c'est pourquoi vous n'avez pas directement opté pour la chirurgie pour réaliser un traitement endodontique à rétro et retirer le fragment de l'apex fracturé en même temps? Parce que tout simplement pour ce cas-là, la calcification était quasi totale. Donc même si j'allais récliner un lambeau, faire de la microchirurgie ou de la chirurgie classique, si je peux dire, je n'allais pas trouver le canal. Déjà, je n'arrivais pas à le localiser par microscope. Donc ça va être encore plus compliqué si j'allais faire de la chirurgie avec un saignement, avec des micro-miroirs, je vais être encore plus dans la difficulté. Donc ce qu'on a opté comme dernière solution, c'est une solution vraiment de dernier recours, hein, de conserver cette dent-là, c'était de faire cette technique-là et d'essayer de conserver cette dent-là. Donc, on a expliqué à la patiente, et d'où l'intérêt, peut-être j'ouvre une petite parenthèse, d'où l'intérêt du consentement éclairé dans certains cas. Je ne sais pas si vous avez des consentements, vous optez pour les consentements ici en Algérie. C'est important de se protéger aussi, vous, votre patient, de mettre les choses bien claires, bien détaillées. Le patient, il honte, vous lui donnez une feuille, il lit ce qu'il peut y avoir comme complication, parce que finalement, tout acte médical peut avoir un risque, que ce soit des perfos, des fractures, des complications, etc. Donc comme ça, vous vous protégez. Donc c'est une solution de dernier recours, elle était d'accord. Et on a tenté, on attend juste, c'est un cas que je viens juste de traiter. Comme j'ai dit, je n'ai pas encore de recul clinique concernant la stabilité par rapport à la dent. Donc on va programmer la chirurgie et on va voir, on va suivre. Ce qui est très important lorsqu'on va faire un traitement, endo minimalement ou pas minimalement, s'il vous plaît, c'est de prendre le temps de faire votre suivi clinique. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, si un patient, il vous arrive avec, et vous faites une radio, que vous voyez une lésion périapicale,
est-ce que vous êtes sûr que c'est une lésion qui est en train de guérir ou qui est en train d'augmenter de volume? Il faut prendre le temps de réflexion. Alors, si le patient il peut vous ramener une radio avant le traitement, là, vous pouvez comparer au moins. Vous dites, bon, c'est bon, la lésion, elle est en train de guérir, je vais encore voir, bien sûr, en l'absence d'aucune symptomatologie. Mais si la lésion, elle est en train d'augmenter de volume, il faut bien évidemment poser le diagnostic et savoir pourquoi c'est en train d'augmenter de volume. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas se précipiter directement ni dans le retraitement, ni dans la chirurgie, que ce soit micro ou non-anesthésique. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien poser et de savoir si cette lésion-là, elle existe, elle est en train de guérir ou pas. Voilà. Exactement. C'est ce que j'ai dit, effectivement. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait d'accord. Bien sûr. Ça va de soi. Pas de questions? C'est tellement clair. Vous avez des questions? C'est clair. On passe. Oui. Merci beaucoup. Merci. Je demande au professeur Mitouli ou au professeur Tsirabib. J'aimerais demander à l'assistant si on doit vous laisser en dernier ou bien on commence par vous, docteur Zerabib. Je demande à l'assistant. On fait honneur aux invités. Ah, d'accord. Très bien. Parfait. Les desserts, c'est à la fin. Ah, il y a monsieur Cerise. C'est pour ça que vous revenez toujours à cela. Je ne sais pas, je me suis attaché à ce monsieur, c'est pas possible. T'as bien trouvé le mot. Je ne sais pas comment je me suis attaché à ce monsieur, franchement. C'est comme ça. Alors, si vous avez des questions pour professeur Montori. Pour la son abrasion, voilà. À minima. Voilà, dans la dentisterie à minima. Mentori, merci. J'ai posé trop de questions, je sais, mais on va. C'est votre droit. Vous êtes là pour ça. En fait, c'est pour enrichir aussi. Oui. Voilà. Donc, je vous dis par rapport à mon expérience en omniprésie, comme je suis pathologiste, généralement, je ne fais pas de soins, mais avant, j'en faisais beaucoup. Et j'avais un problème, c'était d'avoir des patients qui revenaient 2-3 ans après avec des pulpites, voilà. Oui. Parce que j'utilise la turbine. Voilà. Donc, je me suis demandé, est-ce que l'air abrasion et la sono-abrasion seraient ma solution, quoi, la solution pour éviter qu'il y ait des mortifications sur le long terme suite à l'utilisation de la turbine, l'instrumentation rotative. Non, l'utilisation de la turbine et de la fraise, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Il faut donc prendre des précautions. Mais là, c'est des nouvelles techniques qui sont bien indiqués dans des stades, des sites bien précis. On les utilise surtout pour les petites lésions, c'est-à-dire les lésions initiales. C'est pour un but préventif, donc pour ne pas avoir justement la complication vers la pulpite ou la nécrose. C'est pour ça. Donc, on revient à la pose du diagnostic tout à fait au début. Voilà. Donc, si vous posez bien votre diagnostic, vous pouvez dire est-ce que je traite avec la sono-abrasion, avec l'air abrasion, ou carrément je vais utiliser une intervention invasive en utilisant les fraises et monter sur turbine. Voilà, ça dépend le stade et le site que vous avez devant vous. Donc c'est la pose du diagnostic avant tout qui vous permet d'utiliser l'une ou l'autre technique. Merci. Juste pour répondre à votre interrogation, le problème vis-à-vis des cavités qui sont profondes, pour des lésions carieuses qui sont profondes. Alors pour les lésions qui sont superficielles, il n'y aura pas de problème si vous faites de la sono-abrasion, etc. Généralement, il n'y aura pas d'inflammation pulpaire. Le problème qui se pose lorsqu'on fait une conservation de la vitalité pulpaire, c'est des lésions qui sont proches de la pulpe. Ce qu'on fait généralement par coiffage indirect, c'est le vital pulp therapy, etc.
Et à chaque fois, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites de la conservation, vous êtes dans l'extrême asepsie. Alors, si vous faites de la conservation, il faut placer la digue d'une part. Il faut être sûr de votre vitalité pulpaire d'autre part et de savoir curter cette lésion carieuse et d'utiliser des biomatériaux qui soient bioactifs. Aujourd'hui, biodentine, MTA, si vous faites des effractions pulpaires. Et là encore, on va plus. Si vous faites des effractions pulpaires, si vous avez un saignement qui peut s'arrêter, conservez la vitalité pulpaire. Faites de la pulpotomie, faites un coiffage direct. Faites de la pulpotomie, c'est le saignement le plus important. Mais conservez quand même la pulpe. Parce que vous savez, il n'y a pas meilleur que la pulpe pour obturer un canal. Tout simplement. Exactement. Aujourd'hui, on va vers les techniques qui sont de régénération carrément pulpaire. Donc, essayez toujours au maximum de conserver cette... Voilà. J'ai deux questions pour vous, professeur Venturi. Là, on avait toujours appris que travailler sans digue, c'est quand même, carrément c'est provoquer la mortification pulpaire. Le fait qu'on ouvre carrément les tubulés dentinaires, c'est ouvrir, on va dire, une autoroute pour la flore bactérienne et de pénétrer au niveau de la pulpe. Mais est-ce que c'est le cas pour la sonde à base de doigts, disons, la digue, l'utilisation de la digue est-elle de rigueur? Ah oui. De toute façon, pour toutes les thérapeutiques en OCE, hein, on doit même une petite cavité qu'on doit traiter, on doit mettre le champ opératoire. C'est obligatoire. Très bien. Il ne faut pas voir, parce qu'en clinique, on n'a pas ces moyens-là. On travaille avec le coton salivaire, mais la digue, elle est obligatoire pour n'importe quel type de thérapeutique. Et pour le coût du traitement? Avec le matériel investi. La technique, les appareils sont très chers. Et je l'ai dit, on l'a acheté par le biais de laboratoires de recherche. Et non, on pourra pas. On a pris quelques cas au niveau de notre service, mais c'est pas à la demande de n'importe quel patient. D'accord. Donc voilà. Je veux dire, donc c'est pas à la portée des cabinets privés, on va dire. C'est... Eh bien, s'ils ont les moyens, pourquoi pas? Pour les petites lésions initiales, ils peuvent. C'est déjà une prévention pour ne pas qu'il y ait un développement de la carie. Donc, s'ils peuvent l'avoir, pourquoi pas? Une autre question? La clé de la réponse, je pense qu'elle a répondu Madame Touré, concernant le site et le stade, surtout le stade. Ça veut dire stade 1, 2, oui, 3, non, c'est pas la peine. Même vous êtes obligé de ramener votre turbine pour régulariser les parois. Donc vous utilisez les fraises à fine granulométrie pour régulariser. Donc ça dépend. Parce que c'est un guide thérapeutique en restauratrice. On va voir après avec Mélara. Il y a des limites bien franches entre l'utilisation de la dentisterie mini-invasive ou non. Ça veut dire. Ça dépend surtout du stade. D'accord ? Juste, je voulais juste rajouter concernant l'herbrasion, sonorabrasion, à mon humble avis, ce serait très intéressant d'utiliser ça en pédodontie. Franchement, pédodontie, donc on touchera moins avec la turbine, on utilisera ces artifices qui vont diminuer un peu de cette crainte de ce petit malade, vous voyez. Et puis après, le familiariser par rapport aux soins, etc., etc. Donc je pense qu'en pédo, ça serait bien. Et ce serait bien d'utiliser cette technique, à mon sens. Pardon, c'est une indication primordiale, justement, pour la pédodontie. Technique atraumatique, donc qui ne nécessite pas d'anesthésie. Ils ont un confort agréable pour le patient. Et c'est une des indications de ces techniques pour la pédodontie. Donc, une indication principale, c'est pour la pédodontie, justement, pour les enfants. Voilà. Le Carisolf, c'est un procédé chimique. Vous ouvrez juste la cavité, après vous mettez votre produit, il va réagir avec le collagène de la dentine infectée et vous allez le curter avec des instruments manuels. Sauf, après, vous êtes obligé donc d'arranger les bords de votre cavité pour pouvoir restaurer la dent. Mais ce sont pratiquement tous les techniques que j'ai montrées, même le laser, ce sont des techniques qui sont atraumatiques et en priorité utilisées aussi pour la pédodontie chez les enfants. Voilà. Donc ça peut être l'alternative à l'hypnose dentisterie, non? Quel est votre avis, professeur Edouci?
Voilà, c'est surtout ça, oui. Voilà. Maintenant, c'est... Le maestro, le chef. On va arranger la phrase. Wakhite Mohamisk, c'est ça? Wakhite Mohamisk. Bisque cerise, t'es gâté aujourd'hui. S'il y a des questions pour poser à M. Zerabi concernant la microchirurgie. Comme à l'accoutumé, je suis avec tes attentionnellement vos communications, docteur Zerabi. Surtout à Chlef, vous venez souvent à Chlef. Je comprends ça, c'est tout à fait normal. Vous avez un lien qui m'augmente avec Chlef, avec des affinités. On aurait aimé vous voir dans d'autres wilayas. Mais moi, je ne suis pas dans d'autres wilayas. Non, personnellement, oui. je suis attentionnellement vos communications, mais à Chlef. Oui, mais je suis aussi ailleurs. Hein. Ah ben écoutez, je suis ce pèlerin hein, qui, avec son baluchon, est en train de tourner un peu sur l'Algérie. Je parle de mon personnage. Ouais, j'ai tourné. J'ai trop tourné là. Ouais. Ma question, c'est, je vais un petit peu parésiter sur l'intervention TAC. J'aurais aimé parler d'un cas courant, des cas courants. Ces fractures d'instruments. Et moi, personnellement, j'ai vu souvent la technique de... Je m'excuse. Peut-être en littérature dentaire, j'ai perdu un petit peu le problème. Alors, il y a des destructions osseuses pour retirer avec l'instrument rotatif qui est à l'intérieur du canal. Est-ce que, par le biais de votre communication, je pense que la voie que vous avez, la voie de la résection apicale, la voie rétro, est-ce qu'elle n'est pas encore meilleure pour retirer, c'est-à-dire de pousser cet instrument? Mais je pense qu'il est facile de pousser cet instrument par cette voie vers l'extérieur. Parce qu'on en voit beaucoup de cas de fractures d'instruments à l'intérieur du canal. Et les chirurgiens dentistes, généralement, quand ils entendent la voie coronaire, généralement, c'est des destructions, on voit des destructions du tissu dentaire énormes. Alors, pour retirer cet instrument cassé à l'intérieur. J'aurais aimé que les cas d'hydratome disent un cas en ce sens. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Encore une fois, je m'excuse parce qu'en littérature... J'ai très très bien compris votre question. Bien. Ouais, je vais vous dire. Je m'arrête là. Je vais être franc avec vous. Hier au dîner, j'avais 70 diapos à faire passer aujourd'hui. Je vous aurais gardé jusqu'à dimanche. Et dans mon intervention, je devais vous relater aussi le cas d'une fracture d'instrument. Un instrument qui s'est fracturé au niveau de la partie terminale. Parce qu'un instrument qui se fracture au niveau de la partie cervicalo-médiale, c'est toute une autre entreprise. Ok ? Donc, j'avais un cas où il y a eu une fracture d'instrument et j'ai entrepris la même chose. Donc, on a été par voie chirurgicale, d'accord ? On a été réséqué cette portion et retiré cet instrument. Ok ? Ensuite, comme la voie était libre, on a été retravaillé par voie orthograde. On a été faire notre obturation au MTR. D'accord ? C'est une solution. Quand la fracture se situe à un niveau très bas et qu'il y ait indication d'abord, et puis qu'on est sûr qu'il n'y a pas d'incident supplémentaire qui pouvait éventuellement hypothéquer la conservation. D'accord ? On ira vers cette méthode. Donc il faudrait bien étudier le cas. Si la fracture est cervicale ou médiane, là, c'est autre chose. D'accord ? Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Rajouter par rapport à ce que vous avez dit, professeur Zerabib, le problème avec les fractures instrumentales, c'est qu'il faut voir, lorsque vous avez une fracture, de situer la fracture par rapport au niveau de courbure canalaire.
s'il a l'instrument, il est avant la courbure, on va dire que c'est facile à éliminer, à retirer. Voilà, généralement. Mais si c'est au-delà de la courbure, les choses sont plus compliquées. Parce que le problème se pose, c'est que ce qu'on va préparer un bypass, on va dire, on va essayer de contourner l'instrument et d'essayer de retirer cet instrument-là. Donc on va mutiler en quelque sorte, entre guillemets, cette dentine radiculaire pour pouvoir agripper l'instrument avec différentes techniques, la loupe, etc. J'en passe avec les instruments qui existent aussi, les dispositifs. Donc finalement, chaque technique, elle a ses propres indications, c'est-à-dire est-ce qu'il faut bypasser, il faut le laisser, il faut le retirer, ça dépend au cas par cas, franchement. Alors, il y a des cas où on est parfois obligé de laisser l'instrument parce qu'il y a il faut peser le pour et le contre. Donc, si on va fragiliser, perforer la racine au détriment, si vous voulez, d'extraire le fragment, moi, je laisse le fragment, je bypasse, je désinfecte, j'obture et je fais un suivi. Après, c'est la chirurgie qui va être peut-être indiquée, d'accord ? Si l'instrument, je peux le préparer, la partie coronaire, on va dire, et je peux le retirer, ok, tant mieux. D'accord ? Donc, finalement, c'est au cas par cas. On ne peut pas généraliser tous les cas pour dire qu'il faut faire ça ou ne pas faire ça. D'accord ? Voilà. Merci. Question ? En fait, moi, ce que je voulais juste enchaîner sur un autre point extrêmement important. Et là, c'est la compétence du praticien. Quand vous avez de la compétence, quand vous avez de l'instrumentation, là, vous saurez gérer votre situation. Okay, vous avez trouvé certains collègues qui ont beaucoup de compétences en matière de chirurgie, par exemple. Et là, le fait qu'il y ait un instrument qui fracture apicalement leur donne plus d'aisance, en fait. Hein? D'autres situations, nous, endodontistes, peut-être qu'on a plus, on est plus habile en termes de bypassing, etc. Donc, on peut l'entreprendre. Bien sûr, sans accroître, si vous voulez, la perte de résistance de cette... Le point sur lequel je voulais juste insister, c'est la compétence du praticien. Et je reviens vers mes collègues pour dire une chose importante. Quand vous voyez que ce cas dépasse vos compétences, n'ayez aucune honte à adresser le patient. Attends, je ne vais pas mettre un implant. Je passe là. Tranquille. Voilà. Pardon, docteur Zerabi. Moi, je voudrais savoir une chose. C'est vrai que là, notre problème en prothèse, c'est surtout les réactions sous les bridges. J'en reçois. Et quand c'est des bridges, on serre à mon métal, c'est vrai. Moi, j'avertis le patient. Voilà, je l'enlève, mais il se peut que je casse la dent. Je ne sais pas ce qu'il y a sous la prothèse, si c'est une reconstitution, si. Et souvent, on récupère même la reconstitution ou les corps ou quelque chose. Par contre, quand c'est en zircone, on casse tout le bridge. Avec votre technique, quand c'est des dents pluriradiculées, là, on a vu les monoradiculées, c'est vrai. Mais pour les pluriradiculées, comment vous intervenez? Je suis vraiment curieuse de savoir s'il y a une réaction, comment vous faites pour les pluris? Est-ce que de la même façon? Est-ce que le combine vous oriente pour ça? C'est... Qui est le cas clinique? De quoi il en est? Qu'est-ce que vous avez? Donc il va falloir énumérer tous les éléments par rapport à cette situation clinique. Restauration prothétique, ancrage ou pas ancrage, quel type d'ancrage, les corps tenant vibrés, etc., etc. Donc il va falloir énumérer tout ça. Et quand c'est des pluris, est-ce que vous êtes intervenu? Je parle des pluris. À vous parler des pluris. Bien sûr, je parle des pluris. Après... Une fois que j'ai énuméré les cas, je vais faire une étude de situation. Par quelle voie vais-je aller? Est-ce que je vais aller par la voie ortho ou rétro? Si je vais par la voie ortho, qu'est-ce que ça va me coûter? Est-ce que je serai conservateur ou non? Si je vais sur la voie rétrograde, est-ce que je me pose les deux questions. Après, je décide. Qu'est-ce que j'ai comme moyen? Qu'est-ce que j'ai comme compétence? Ok? Je me pose toutes ces questions. Après, je décide. Maintenant, il y a des patients qui viennent avec des restaurations type zircone. Vous touchez la zircone, vous la cassez. Hein. Même pas, ne cherchez même pas bridge en détendu. Une zircone, vous la touchez, vous la touchez avec la rage courante, vous la cassez. Ah oui. Ok, la cassez. Okay. Donc, il va falloir bien réfléchir. Parti, on vous dit, moi j'ai mis beaucoup d'argent par rapport à ça, etc. J'aurais bien gardé. Qu'est-ce que vous faites?
ben, vous orientez. Vous ne savez pas, vous orientez. Tout simplement. Vous ne savez pas le faire, vous l'orientez. Tranquille. Voilà. Donc, il y a toute une étude, y compris le COMBIM, y compris les aides optiques. Maintenant, pour déposer certaines restaurations prototypes, on va parler peut-être, on va citer par exemple, déposer des restaurations en céramométal, par exemple. Aujourd'hui, on a des moyens. On a des moyens, des artifices qui permettent de déposer ces restaurations en toute sécurité. D'accord. Vous avez aujourd'hui, on va dire, les WAM. Je ne sais pas si vous connaissez les WAMKI. Vous avez des WAMKI. Ces WAMKI, c'est des artifices qui sont des, comme c'est comme des clés. Des clés. Voilà. Que vous faites manœuvrer à travers une perforation que vous avez réalisée et vous allez tourner dans un sens, sans, bien sûr, sans créer un mouvement de levier. Vous allez pouvoir retirer. Vous avez également, dans le cas des Inlecor, par exemple, vous avez les WAM. Les WAMX. Les WAMX, ce sont également des pinces. Vous allez sur votre Inlecor, vous allez créer un trottoir, faites passer vos WAMKI, WAMX par exemple, vous appuyez sur la pince et vous allez voir Inlecor qui va remonter. Vous avez encore d'autres artifices qui vous permettent également de retirer vos restaurations, que ce soit en zircone ou en céramométallique. J'ai oublié le terme, ça, on avait le CD. C'est pas le WAMX, c'est le Loom Over, je crois. C'est un artifice où vous allez mettre des artifices, des petites ficelles au travers de votre restauration prothétique et vous avez une pédale, vous allez appuyer, ça va faire descendre votre. Voilà. Donc vous avez ces possibilités aujourd'hui. Vous avez toutes ces possibilités aujourd'hui. Mais après, il faut faire attention. Faire attention, il faut voir un peu ce dont vous êtes capable de faire, les moyens que vous avez, etc., etc., etc. Et à partir de là, vous déciderez. Mais je ne suis pas très d'accord avec vous quand vous me dites, moi, je prends la décision de déposer ce bridge quand vous avez des ancrages qui sont divergents. Quand vous avez des ancrages qui sont divergents, alors vous me dites, moi, je vais aller le déposer. Je vous dis, alors, voilà. Non, c'est pas là, même pas de dire aux patients, préparez-vous à faire l'extraction. Voilà, quand ils sont comme ça divergents sur un bridge de longue portée, et quand même, vous êtes sûr de fracturer les racines. Bien sûr. Ou vous avez les moyens de votre politique. Vous faites. Vous n'avez pas les moyens de votre politique. Il vaut mieux passez la main. Orienter. OK. Voilà. Comme a dit Dr Jaffar tout à l'heure, le dessert, il est là. Envoyez là. Juste la facture. Voilà. Juste la facture. C'est vrai. Madame. Alors, une petite question, je pense, c'est la dernière. Je suis venu d'Alger pour répondre à vos questions. Alors, vous avez montré... Je suis venu de Tunis. Et moi d'Annaba, pour poser des questions. Alors, pour vos cas cliniques, bon, c'était des monoradiculés. Je rejoins ma collègue pour les pluriradiculés. Donc, il faut d'abord situer la lésion radiculaire, parce que ce n'est pas évident... De faire une chirurgie endodontique sur des pluries. Donc la localisation est très importante. Est-ce que vous avez accès à cette racine du côté vestibulaire ou palatin? Si vous trouvez qu'il y a difficulté, je pense que ce n'est pas possible de faire cette chirurgie. La deuxième question, vous avez eu des monoradiculés et vous avez dit que c'est les patients qui voulaient cette chirurgie, c'est non, ça qui voulaient conserver leur couronne. Voilà. Et comme il y a des moyens maintenant pour... Est-ce que vous êtes... est-ce que vous n'avez pas essayé de les convaincre pour éliminer justement les couronnes et travailler? Parce que pour moi, la chirurgie, quand même, endodontique, elle reste invasive. Je ne sais pas. Mais est-ce que vous avez convaincu ces patients pour... puisqu'il y a plusieurs moyens maintenant pour éliminer ces couronnes de façon très facile. Il y a les ultrasons, il y a ce que vous venez de dire, et c'est plus facile d'agir par voie ortho que par voie rétro. Est-ce que vous êtes... voilà. En fait, il ne s'agit pas seulement de la restauration prothétique. Il s'agit aussi d'évaluer ce qu'il y a à l'intérieur de ce canal. S'il y a des ancrages, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir... Parce qu'on se dit des choses comme ça, non, mais parfois quand on a... Oui, mais attendez. C'était la lésion qui était importante. Il n'y avait pas d'ancrage au niveau de...
Non, précis, on parle de on va aller être précis, on va parler du dernier cas. Oui. On va parler du dernier cas. Ah, ok. Là, il y avait une déviation. Il y avait une déviation de la voie canalaire plus une perfo. Vous allez faire votre chirurgie, vous êtes obligé, vous n'avez pas une autre solution pour aller réparer cette lésion, parce qu'on parle de réparation. Donc vous avez ouvert. Du moment que vous avez ouvert, ben, il va falloir continuer sur le reste. Vous allez ouvrir ce côté et faire une reprise de traitement par voie orthograde de l'autre. Non, vous êtes devant des lésions inflammatoires, apicales, les antécédents du malade. Il vous dit que ça, j'ai eu un trauma il y a 10 ans, on m'a fait des traitements et des retraitements et que ça n'a pas marché. Et que vous avez ouvert pour régler cette lésion en dos. Ben, si vous avez ouvert, autant continuer sur le reste. Tout simplement. Merci, Zalabib. Donc, je voulais clôturer par cette notion de retraité. Il faut. Oui. Ah, deuxième. La première question, c'était. Ça c'est votre combim. Je vous ai mis des paramètres au départ. Je vous ai dit que l'endomicrochir s'appuyait sur tel critère. Et la lecture du combim est très importante. Ça a été signalé ce matin par docteur Sahbi, il me semble. Il disait que aujourd'hui il faut avoir une maîtrise de la lecture de ce combim. Donc il faut, à partir de ce combim, il faut extrapoler tous les éléments qui vont plaider ou non pour cet endochir. Vous avez parfois des obstacles anatomiques, des sinus, des troubles tonique, etc. Donc là, il faut les prendre en considération. Après, jugez de tout ça et faites le poids. Et parfois, il vaudrait mieux faire une belle extraction que de faire un mauvais traitement, n'est-ce pas? Donc pourquoi aller titiller le diable à côté d'un sinus alors que vous pouvez régler ça autrement? Et là aussi, c'est de la communication avec le malade. Voilà. Merci. Bon, je voulais clôturer. Bon, avec votre permission, j'insiste sur la notion de décision. Parce que la décision, c'est un paramètre managérial, hein. Attention, la décision pour décider n'importe quelle opération, ça veut dire qu'il faut voir les points forts et les points faibles. Les points faibles, bon, souvent, parce que ce cas de la molaire, je pense, il est fait en Italie, je pense, en France, et en Italie, Castellotti. Mais ça se fait en Algérie aussi. Oui. Mais il y a un autre paramètre qui est très, très, très important par rapport aux pays développés et sous-développés, c'est la mutuelle et c'est le remboursement des honoraires. Parce que c'est très important. Et pour eux, c'est difficile de refaire la prothèse parce que ça coûte cher. Ça, c'est un problème. Deuxième point, notre maillon faible dans un pays sous-développé, on a parlé de la technique, on a parlé de praticiens, la compétence, et on a oublié le patient. Le patient, si elle n'a pas un risque carieux individuel faible, on ne peut pas exercer ce genre d'intervention mini-invasive. Donc c'est clair. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'aventurer, de point de vue déontologique, devant un cas de tabagisme, par exemple, mauvaise hygiène, de faire cavité slot, tunnel, et après on paye le pot cassé. D'accord ? Et je vous remercie. Je vous invite au déjeuner. Merci. Et à 14h30, on recommence, Inch'Allah, notre... C'est ça ?